Valérie. Alors, de quelle parabole va-t-on parler aujourd'hui? Parabole difficile. Ah. Parabole de l'homme fort. Encore faut-il se mettre d'accord sur quel est l'homme fort dont parle Jésus. Donc, on va la lire, déjà. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. En fait, cette parabole, elle vient à la suite de l'accusation par les docteurs de la loi, c'est ça, hein? C'est ça. Jésus a un démon et il chasse... Alors Jésus chasserait les démons par la puissance de Belzébuth, qui veut dire seigneur des mouches, une façon de parler du diable, de Satan. Et c'est l'accusation qu'on porte contre Jésus. Et Jésus va faire un peu de théologie, hein, puisque d'abord il parle de Satan comme étant à la tête d'un royaume organisé avec les démons. Et si Satan chasse les démons, ou se sert de quelqu'un pour chasser les démons, alors Satan travaille contre lui-même. Donc Jésus dit, il y a un illogisme dans la chose. Donc ça, on peut dire, on n'est pas vraiment dans la parabole. Là, on est dans une réponse théologique à une question malveillante. En fait, il les prend au mot. Bah, il dit, allons au bout du raisonnement. Oui. Si ce que vous dites est vrai, si alors, je suis un agent de Satan pour chasser les démons, et surtout dans l'évangile de Marc, on a beaucoup scènes de délivrance de démons, et en grand nombre, Satan est vraiment en train de vider son royaume. Par contre, la partie homme fort, là on est vraiment dans la parabole. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Mais qui est cet homme fort? Alors d'abord, distinguer, Jésus veut distinguer Dieu du diable. Donc ça, on l'a dit, hein, mais diviser, hein, c'est, en grec, c'est diabalo. Donc c'est mettre un coin entre ce qui était uni. Et de là, se diviser contre lui-même, il n'y a un pas. Donc il est vrai que Satan est le diviseur, d'où son nom diable ou diabolos. Il est un diviseur. Quand on dit Satan, on dit plutôt procurateur. Le chatan, c'est le procureur dans un procès. Donc, c'est comme si Satan se faisait la morale à lui-même. Ce qui n'a pas de sens. Mais diviser, c'est ce qu'il aime faire dans l'humanité. Diviser les uns contre les autres. C'est son travail. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il est rusé. Et l'apôtre Paul nous dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il nous parle aussi des temps ultimes. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc il est vrai que Satan peut faire des choses qui ressemblent aux choses que Dieu fait, mais c'est toujours mensonger. Il veut tromper, détruire en usant d'artifices. C'est une pâle copie. Mauvaise copie. Il fait de la mauvaise copie, c'est ça. Mauvaise copie. Et puis, les miracles de Jésus ont pour but de bénir. Oui. Alors que les miracles du diable ont pour but d'estourbir. Et d'enchaîner. Et d'enchaîner, voilà, c'est-à-dire qu'on perd son bon sens. Quoi. On perd son bon sens et après on est pris dans un engrenage. On est pris dans un engrenage. Mais on est, comme on dit, illuminé. Oui. Ange de lumière, illuminé. Et on perd ses capacités de bon sens.
Maintenant, il y a la question de la maison. Et Jésus parle de Satan pour mieux parler de ses contemporains. Et c'est là qu'il faut bien voir la subtilité. Maintenant, bon, c'est ma façon d'interpréter la parabole. Il y a d'autres façons d'interpréter. Mais la maison, en fait, ce sont les contemporains de Jésus. Ils sont le royaume de Dieu. Parce que Moïse avait déjà dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs ou un royaume de prêtres et une nation sainte. Ils sont donc la maison de Dieu. Et Dieu l'a redit une deuxième fois à David. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. Donc la maison, c'est tout le peuple d'Israël qui est censé être la maison de Dieu. Et plus précisément, la descendance de David est censée être une dynastie royale. Je te fonderai une maison. Donc il y a les deux réalités pour parler de la maison. Et au lieu de mettre cette force, la maison, au service de Dieu, il conteste Dieu en disant « Tu chasses les démons par Satan. » Et il conteste Dieu, son Fils, le Messie, son œuvre parmi eux. Et dans, sous cet angle-là, lier l'homme fort, ce n'est pas lier Satan, mais c'est lier toute irrésistance à l'œuvre de Dieu. Il faut lier l'homme fort. Et la plus grave est d'attribuer à Satan ce que le Saint-Esprit fait par Jésus. C'est pour ça que cette parabole est difficile à interpréter. Et c'est eux-mêmes qui laissent entrer Satan dans leur maison en ne préservant pas ce que Dieu leur a donné depuis des siècles. Et pour mieux comprendre, il y a une autre version de la parabole où Jésus montre qu'il veut l'unité autour de lui. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc Jésus dit que l'homme fort se croit protégé par ses armes. Mais quelles sont ses armes? Et finalement, il n'est pas protégé. Oui, parce qu'il se confie dans des armes qui sont périmées. Et ces armes périmées, c'est de se confier dans la force des rites de la religion. Plus qu'à l'action de Dieu, que promet la religion. Alors là, je prends le mot religion de façon un peu abusive. Le judaïsme est une religion. Est-ce que Moïse a voulu faire une religion? Bon, c'est aussi un débat, ça. Mais tout au moins, cette religion comporte une promesse. Je rappelle la promesse. Moïse dit, Dieu vous suscitera du milieu de vous, donc de la maison d'Israël, et plus précisément de la maison de David, puisque Dieu dit à David, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Ce qui parle d'éternité, on n'en manquait jamais. Donc il faut qu'un descendant de David ne soit pas de cette terre, mais soit du ciel. Ce que Jésus est, il est le Fils de Dieu. Donc la religion, le judaïsme, annonce un autre Moïse. Et alors que cet autre Moïse est là, l'homme fort Israël continue de se confier dans les préceptes de la religion, qui en plus ont été plus ou moins pervertis par la tradition. Donc ce que dit le texte, petit à petit, la tradition en a fait autre chose. Et ces armes, donc la force des rituels, que ce soit le sabbat, que ce soit la fête de Pâques, que ce soit Yom Kippour, enfin toutes les fêtes du judaïsme, et puis toutes les prescriptions et les règles de toutes sortes, donnent confiance. Mais Jésus dit, ce sont des armes illusoires. Et si quelqu'un arrive à enlever ses armes,
bah, l'homme fort devient faible. Il n'est plus rien. Il est prêt à être dépouillé. Mmh. Et le roi annoncé par Ésaïe dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'Empire, l'homme fort, de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et donc Ésaïe annonce déjà que c'est le droit et la justice qui vont maintenir fort l'homme fort. Mmh. Mais comme on a remplacé par l'observance des règles le rituel, en oubliant la justice et en oubliant le droit, eh bien l'homme fort est devenu très faible. Et ne pas se rallier à Jésus, qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est faire de l'obstruction. C'est tomber sous le jugement d'une autre parole d'Ésaïe. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. C'est quoi l'étoupe? C'est un tissu souvent qui sert pour faire les flambeaux. Mm. Donc l'étoupe, c'est un tissu un peu graisseux. Allume, l'étincelle, d'où son œuf comme une étincelle. Mais ça dure pas longtemps. Ah bah ça dépend de l'épaisseur. Hein. Ouais. Ça dépend de l'épaisseur. Mais ils brûleront l'un et l'autre ensemble. Mm. Et il n'y aura personne pour éteindre. Donc une fois que c'est allumé, une fois que la mèche est allumée, bon, plus personne ne peut l'arrêter. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé pour Israël, puisque l'homme fort qui était Israël, qui était déjà mal en point, puisque sous la domination des Romains, en l'an 70, ça a été la destruction d'Jérusalem, la destruction du Temple, l'ordre par les Romains que tous les Juifs n'aient plus le droit d'être sur la terre d'Israël, et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une diaspora d'Israël partout dans le monde, diaspora juive, Israël est redevenu un État depuis 1948. Mais il y a eu presque 2000 ans où l'homme fort était à l'extérieur de son territoire. Pour ça, certains voient l'homme fort comme étant Satan. Mais je crois qu'il vaut mieux voir l'homme fort comme étant Israël, qui aurait dû demeurer fort, mais qui, en s'opposant au Messie, ben, devient faible. Merci, Luc. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle parabole.